Salut à toutes et à tous, c'est Nazoc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, donc Call of Duty 4, et c'est un gameplay entièrement au sniper. Donc pour la petite anecdote, ceux qui ont vu ma série sur Code 4, en fait ce gameplay juste après l'épisode que vous avez vu sur ma chaîne. Donc j'ai enchaîné directement derrière parce que je m'amusais bien sur Code 4. Et j'ai enchaîné directement derrière sur cette partie de match à mort. Et je me suis dit pourquoi pas prendre le snipe et voir ce que je vaux au snipe dans une partie entièrement jouée au sniper. Et vous allez voir que la partie s'est plutôt bien passée car je fais un score final de 26 à 10 en match à mort sur Code 4. Avec un petit moment de... ça fait un petit moment que j'ai pu jouer au sniper. Je me suis dit, allez, on va aller voir ce que je vois encore. Et au final, je réalise un assez bon gameplay qui est pour moi correct sur Code 4. Donc dans la vidéo, je vais vous aussi parler de la Paris Games Week. Donc je serai présent à la Paris Games Week du dimanche. Donc je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire là-bas. Donc d'abord je vais essayer de voir quelques personnes connues, par exemple Wartek, Monsieur Levé 12, Skyros, Jean-Baptiste Chaud, Diablo X9 s'il y est en fait, parce que du coup j'ai pas eu confirmation qui était. Enfin voilà, des personnes comme ça que j'ai envie de voir. Je vous ai presque tout dit hein, sur les personnes que je sais qui seront présentes, je vous ai presque tout dit ce que je veux aller voir. Et donc voilà, je vais essayer d'aller voir des personnes, des gros youtubeurs. Ensuite, je vais sûrement aller faire un tour du côté du stand de Triarch pour rejouer à Black Ops 3, sachant que Zeiko m'accompagne. Donc Zeiko qui fait partie de la team Astic, vous l'avez pas encore vu. Non, vous l'avez pas encore vu, en fait, il a déjà fait des vidéos avec moi, mais c'était pas sous ce nom. Enfin, vous verrez bientôt, je pense qu'il y aura une vidéo avec toute la team réunie sur Call of, parce que Call of s'en va dans une semaine et toute la team l'a précommandé. Et donc on l'attend dès qu'il sort, je pense peut-être du vendredi ou du samedi. On vous fera une vidéo tous ensemble, assez fun, par exemple une recherche où on vous parle. Hop, et je pense que ça pourrait être assez bien. Donc voilà, là je me suis un peu éparpillé. Mais pour venir, Zeiko sera avec moi. Lui il a pas testé Black Ops 3, donc je pense qu'on va aller faire un tour du côté du stand de Triarch juste pour qu'il puisse tester Black Ops 3 avant la sortie. Comme il n'a pas pu tester la bêta du tout, il a jamais vu Black Ops 3 tourner de ses propres yeux. Donc je pense qu'on va faire ça et ensuite on va aller se balader sur d'autres stands qui peuvent être sympas. Moi j'aimerais bien aller voir le stand Xbox. Il y a aussi la finale de Counter-Strike qui peut être assez sympa à voir. Donc ça je verrai bien ce que je vais le tour où j'irai. Je vais aussi vous filmer à mon tour à la Paris Games Week. Donc je vais prendre je vais filmer tout ça et vous faire un petit montage. Donc le montage, il faut savoir qu'il sortira sûrement dans la semaine, peut-être du mercredi, sûrement même du mercredi, du jeudi, voire, parce que faut que je fasse le montage. Et donc comme j'y vais du dimanche, je vais rentrer assez tard, temps de monter jusqu'à Paris, redescendre le soir chez moi, ça va être assez long. Donc n'espérez pas, enfin je pense pas que beaucoup de monde vont l'attendre, mais avoir le montage rapidement, je pense qu'il sera fait dans la semaine hein. Ça je pense quand même, je vais pas non plus abuser, mais il sera fait dans la semaine. Mais n'espérez pas l'avoir du dimanche soir ou du lundi matin ou lundi soir. Je pense que ça sera assez compliqué de le sortir aussi rapidement. Mais je vais essayer de vous faire ça bien. J'ai jamais fait ça en vidéo de montage à part sur les jeux vidéo, j'ai jamais fait. Donc vous verrez bien comment ça se passe. Je demanderai à Zeiko peut-être, sûrement de prendre des photos. Moi je m'occuperai de prendre en vidéo tout ce qu'on voit d'assez sympa et presque tout je pense. Je demanderai à Zeiko de prendre des photos et comme ça je pourrais peut-être vous faire un montage avec des vidéos et aussi des photos, par exemple si on voit des trucs assez sympas à prendre en photo. Voilà, il fait une photo et ça peut être assez bien. Donc vous avez vu juste dans le gameplay qu'à un moment je temporisais quand même pas mal. C'est juste que je voulais sortir en fait mon petit hélico pour dire d'avoir sorti le plus gros streak de Code 4 en haut sniper avec ma première game. Voilà, j'étais assez content de réaliser une petite game. Donc voilà, là on est à peu près à la moitié de la game. Donc j'ai encore quelques trucs à vous dire.
pour en revenir à la Paris Games Week, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, je ne dis pas que t'as un compte abonné là-bas ou quoi, parce qu'il y aura personne, ça c'est sûr. Donc je préfère aller voir moi les youtubeurs, ça sera sympa. Et Zeiko, lui, a déjà été à la Paris Games Week, donc on verra comment ça se passe, ce qu'on fait. Je pense que ça pourra être vraiment pas mal. Donc ensuite, je vais vous parler un peu de Black Ops 3, hein, faire une petite parenthèse, comme j'ai du temps dans la vidéo. Donc on est le 29 et Black Ops sort, si je me trompe pas, le 6. Donc le 6, attendez-vous, peut-être le 6, 7 plutôt, attendez-vous sûrement à une vidéo sur Black Ops 3. Et je pense que j'essaierai de voir du samedi, essayer de réunir tout le monde et faire toute la team Astic. Donc pour l'instant on est 4. Donc il y a Isa, Swick, Zeiko et moi. Donc j'essaierai de vous faire ça. Là il a une vidéo vraiment spéciale qui va sortir. Donc pour vous dire un peu le planning, le vendredi 16h il y a une vidéo sur la série Call of Duty qui sort, donc sur le retour sur les anciens Call of Duty. Et le samedi 16h maintenant, il y aura aussi une vidéo qui va sortir. Mais là, ça sera un peu plus spécial parce que ça sera sur la team Astic. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis pas ce que c'est. Vous le découvrirez samedi pour ceux qui sont intéressés. Et je pense que ça peut être vraiment, mais vraiment pas mal. C'est depuis le temps que j'avais envie de faire des vidéos comme ça. Aïe, c'est fait. La première a été réalisée. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous proposer cette vidéo. Elle est déjà upload et tout ça. Sachant que je l'ai upload le 28, enfin le 27 au soir. Vous voyez que j'ai pris quand même une assez grosse marge. L'upload le mardi soir pour sortir le samedi. Là j'ai vraiment pris une assez grosse marge, qui est plutôt sympa. Alors le petit kill qui passe pas, normal. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc j'essaierai de voir ça avec eux. Je pense leur envoyer un petit message et leur dire que samedi, excusez-moi, on fera une petite vidéo ensemble, ce qui pourrait être assez sympa, genre une petite R&D dans une conf TS, et puis ça pourrait être pas mal. Donc après, si vous avez des questions sur la Paris Games Week, n'hésitez pas à me les poser. Pour ceux qui voient la vidéo assez tôt, qui veulent savoir quelque chose sur la Paris Games Week, qui veulent voir un truc en particulier, je peux le faire. On verra si quelqu'un me propose quelque chose. Donc voilà. Ensuite aussi, on peut voir que sur ma chaîne, certaines vidéos font des vues et certaines n'en font pas. Donc ça, c'est assez bizarre. Enfin, je sais pas, les retours sur les Call of, c'était pour moi une vidéo qui pouvait assez marcher. Et pourtant, ça marche pas très bien. Là, le kill qui rentre, franchement, me dites pas comment j'ai réalisé ce kill. Parce que déjà, il y a eu deux coups de feu et je lui mets en headshot. Bon, c'est bien, mais bon, voilà. Donc là, sinon, je prévois de faire une petite vidéo sur sûrement Halo 5, un jeu qui, franchement, je le voulais et je réussis à l'avoir gratuitement. Enfin, j'ai réussi à l'avoir. On va dire que c'est un prêt pour l'instant. Pendant un petit moment, je l'aurai. Donc, par mon cousin, encore. Donc, voilà, là, il est en train de se télécharger. 8%, ça fait assez mal. Et donc, on va attendre tout doucement qu'il finisse de se télécharger pour pouvoir y jouer et découvrir ce jeu. Donc, je ferai sûrement une vidéo pour la découverte ou quelque chose comme ça. J'ai aussi plusieurs vidéos à vous upload. Je profite que c'est une vidéo pas commentée en live pour faire un récapitulatif, excusez-moi, des vidéos que je dois mettre. Donc, celle-ci, voilà, est faite. J'ai aussi les 3 vidéos qui sont montées depuis assez longtemps de Rainbow Six, la découverte en live. 3 vidéos, qui est en 3 parties, du coup, que je n'ai toujours pas upload. J'ai la vidéo, en fait, que je voulais faire sur Black Ops 3, il y en a une que j'abandonne. L'autre sur l'assaut, sniper et pompe, je verrai bien quand je vous la sors, du coup, parce que ça va être assez court maintenant. Je crois que j'ai la semaine prochaine et la fin de cette semaine. Bon, si je vais essayer de m'organiser. Mais ça va faire beaucoup de vidéos en fait là. Là encore une fois. Deux coups de. Ça tire deux coups. Je lui mets un headshot. Bon franchement, j'ai de la chance.
et la game va se terminer. Donc oui, je disais, bah, j'ai essayé de vous upload tout ça parce que c'est assez dommage de pas upload des vidéos qui sont prêtes. En fait, c'est con, mais j'ai une connexion qui est vraiment très longue pour upload les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petit explicatif, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait comme ça. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.